Allez, le tweet est parti, les pubs ont dû passer pour les premiers arrivants. Donc il est temps pour moi de vous dire bonjour, on va se mettre en zvaf 2 secondes. Donc bonsoir à tous et bienvenue sur ce live improvisé de ma chaîne. Donc live improvisé parce que j'avais un petit peu de data en rab. Donc je vais faire un petit live. Un petit live non prévu, Kanigou qui défonce les ratopes d'un coup. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit live improvisé sur Fallout 4, ou voilà, petit live à la cool où je vais continuer ma partie perso, où je fais un petit peu ce que je veux du coup. On va lui mettre des beignes, voilà. Alors je sais pas ce que ça donne côté équilibre du son, j'ai peut-être baissé un petit peu. Donc voilà, je fais un petit peu ce que je veux, je reprends ma partie perso donc sur Fallout 4, donc ça suit pas l'épisode que. Enfin le tout premier épisode que j'avais fait, le petit live découverte que j'avais fait sur ma chaîne. Donc si vous vous attendez à une suite de vidéos ou un live découverte, et eh bien vous n'êtes pas au bon endroit. Et si vous voulez éviter de vous faire spoil, je vous invite à partir. Je vais voilà baisser un petit peu le son du jeu. Donc je reprends ma partie perso. Donc je suis. Alors je dois être à une 20aine d'heures de jeu au niveau 11. Ça doit être le 12e jour dans le jeu. Voilà, je baisse un petit peu de moitié. Et donc là j'ai avancé un petit, tout petit peu la quête principale. J'ai fait des quêtes annexes. J'avais rejoint une faction dont j'ai oublié le nom. Et voilà, j'enchaîne donc des petites missions depuis un petit moment, et au fur et à mesure des missions, je me retrouve un petit peu sans munitions pour mes armes. Donc ça devient un petit peu l'angoisse quand je tombe sur des ennemis un peu trop puissants. Donc j'ai décidé de laisser un peu les missions principales de côté, et de fouiller un petit peu les donjons bas niveau, et faire les toutes petites quêtes secondaires, qui sont pas trop compliquées, au corps à corps. Enfin, avec des armes blanches, donc pour déjà pas dépenser plus de balles, parce que même contre les petits monstres, même si je leur fais beaucoup de dégâts, bah ça coûte cher par rapport au nombre de munitions que je gagne. Ce n'est rien. Oh, ça va, je leur mets des grosses patates. Donc j'arrive à ne pas être rentable sur ces ennemis, donc du coup j'ai décidé de faire... d'avancer un petit peu, justement, bah sans... sans arme à feu. Donc on va se retrouver ensemble pour 1 à 2 heures. Occupe-toi de lui. Je vais pas tarder à avoir un coup critique, normalement. Voilà. Ah bah j'ai pas assez de PA. On va se mettre un petit soin, ce qui tape un petit peu fort quand même. Donc je joue en survie, ça je sais pas si je l'avais précisé aussi, mais bon c'est écrit en bas de l'écran, ça défile, c'est là pour ça. Mais bon je le dis quand même une fois au début, pour vous mâcher le travail. Déboucher des curies croustillantes, oui ça s'il n'y a pas de radiation, allons-y. Ah bah j'en avais qu'une, ok. La bouffe ça va, j'ai de quoi faire, puis vu que je tue des petits animaux, qui me rapportent certes pas de munitions, mais moi ça me refait des objets de soins. Une fausse morille, c'est-à-dire... Il y a le faux filet aussi. On mange que des aliments faux. Aïe. Alors, un coup critique pour toi. Une grosse patate. Alors le problème c'est que j'ai commencé ça mais j'avais pas d'arme de corps à corps. J'ai trouvé un point américain donc je m'en sers. On le chaîne tellement qu'il a rien eu le temps de faire. Donc si on trouve une autre arme de corps à corps, on en profitera évidemment. Voilà, des munitions totalement gratuites. Plaston de pierre, on va tout prendre, on va tout revendre pour acheter des munitions, puisqu'on en est limite réduit à ça au final. Ah, un autre point américain, mais bon, qui fera pas plus de dégâts normalement. La viande de Bramine. Un pistolet. Alors aussi, on a la possibilité de trouver, je crois, une arme qui utilise du point 45, et ça, je crois que les mitraillettes, c'est le cas, parce que j'ai moult balles de... Enfin, moult munitions de ce type, étant donné que j'ai pas d'arme appropriée. Bon, tout d'abord, si je trouve un lance-flamme, je pourrais m'en servir. Et après, tout le reste, c'est des armes que j'utilise, ou alors j'ai très peu de munitions. Une cartouche de point 38... Je porte trop de choses. Est-ce que j'ai pas ramassé d'armes de point 45 parce que j'ai pas fait gaffe?
Sait-on jamais. Non. Canigou. J'ai des choses à mettre dans tes poches. Alors, les armes. Tac, tac, tac. On va stocker. Bah, c'est tout. On va stocker le bric-à-brac. Ah, ou les équipements aussi. Ça pèse un peu plus lourd déjà. Et tout le bric-à-brac. Voilà. Un chien d'attaque. Donc voilà, en fait là j'ai une quête secondaire en cours que j'ai trouvé bah voilà, en fouillant un petit peu les donjons et les zones que j'avais pas encore explorées. Donc voilà, c'était représailles. Donc ça se trouve dans une espèce de ferme, je sais pas ce que ça le précise. On va aller sur la carte, voilà, c'est à la ferme des Abernathy, où on a toute la famille Abernathy. Et je crois qu'il y a une de leurs filles qui serait morte ou qui aurait été capturée par des pillards, je crois. Et il nous demande de récupérer voilà, le médaillon de Marie à la station satellite Olivia de Lussaf. Donc on va faire ça, et puis si on trouve voilà, des petits donjons sur le chemin, ben on va les faire. Là on avait un camp random, donc on en profite. Voilà, bah, des cartouches, parfait. Les pillards, ils ont toujours un peu des munitions à récupérer, même si c'est juste pour le pistolet mitrailleur, mais c'est toujours ça de fait. Toujours ça de pris. Salut Wogzone Junior. Wogzone JR, je sais pas comment tu préfères. qu'est-ce qu'on a là-bas déjà? Ah ouais, on a déjà dépassé Sanctuary, ok, d'accord. Ah, il y avait peut-être des trucs radioactifs là-bas que c'est ouvert, je ne sais pas. Après, je sais qu'il y a des ennemis lumineux, mais. Je vois pas trop ce qu'il y a qui fait cette lumière, mais bon. Pourquoi pas. Ouais, on a quand même 200 munitions du pistolet automatique, donc déjà j'en avais fait un petit peu hier et. On s'était fait un bon petit stock. Comment ça va, Wogzone, sinon? Un haricot envasé. Petite sauvegarde auto, vu qu'on a fait le camp. J'espère que j'avais fouillé tout le monde. Pourquoi tu voulais savoir à quelle heure je commençais? Hein? J'ai rien compris. alors, est-ce qu'on a quelque chose par là? Ah, je peux parer les coups au corps à corps, d'accord. Très bien. Oui, j'ai des armes blanches, mais bon, au point américain, c'est limite les deux à la fois. Est-ce que c'est là-bas? Oui, on devait aller vers un truc satellite, donc voilà, on a une grosse parabole là-bas, mais on a quelque chose d'autre ici, on dirait un véhicule, genre un hélico qui se serait crashé. Carotte sauvage. Je peux pas baisser la qualité, du coup ça bug toutes les 2 secondes, bah, je vais réduire un peu le débit. Et oui, je n'ai pas la chance d'être partenaire, je n'ai pas 500 viewers en simultané. Du coup, non, c'est pas dans les options, c'est sur le stream qu'il faut que je fasse ça. Tac, paramètres, encodage, on va passer à 1800, tu me diras si c'est mieux. Du coup, je sais même pas si tu m'entends, à vrai dire. Pourquoi? Ah oui, je suis en QWERTY, c'est pour ça que je peux pas taper les chiffres comme ça. Appliquer, le dire dans le chat au cas où. Tac, je suis passé. On va mettre gérer le débit, ça sera plus. Je vais replacer. Je vais me remettre un AZERTY 2 secondes. Si il faut baisser plus. Tac. Revenons au jeu, voilà. Non, j'y étais, c'est bon. Voilà, et replaçons-nous en QWERTY.
Enfin, je change mes touches à l'occasion. Quoique, je crois que c'est assez gênant pour ce qui est du... Quand on passe au mode construction, parce que ça doit pas prendre tous les raccourcis en compte, ou alors ça doit être d'autres touches à modifier ailleurs. Ça, c'est peut-être un peu la galère. Là aussi, c'est ouvert. Ah, c'est des champignons luisants, là. On va d'abord voir cette carcasse d'hélico, là, si c'est bien ça. Ça a l'air. Oh, il y a une armure assistée. Une red biche qui bouge pas, genre on m'a pas vu. Bonjour monsieur. Y a rien à récupérer ici là? À part un casque. Ah, je crois que la red biche veut nous attaquer. Non. On tente de grogner. ça bug un tout petit peu moins. Bah, je peux rebaisser encore un petit peu, mais ça sera un petit peu moins joli. Si besoin, si l'image devient dégueulasse, faudra me dire, je repasserai en 30 images par seconde, si besoin. Hop. Après, je sais pas si tu m'entends. Qu'est-ce que je voulais dire? Le setup en direct avec les viewers. Hop. Alors. Du coup, en replaçant QWERTY, je saute, ça sert à rien. Des caisses vides. Il n'y a rien sur cet hélico à récupérer là? Je suis déçu. Ah oui, il y avait l'armure assistée un peu plus loin. Bon, on va la ramener cette armure. Je sais pas si elle nous servira à quelque chose, mais. Oh, des cellules à fusion, ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi les Radbiches ils les ont pas mis en neutre, sachant qu'elles nous attaquent pas spontanément. Alors Kunigou lui il se fait pas chier, il attaque, hein, il aggro. C'est vrai que ça peut me permettre d'avoir des bonnes viandes, je devrais taper dedans en fait. Je me suis dit ça donnera pas de munitions. Ok, bah on va relancer à 30 FPS. Je vous retrouve dans un instant. Hop.